terre. N'oublie pas toute la terre qu'on a dû trimballer jusqu'ici. Si on veut protéger la vie... La voilà. Tu as trouvé Thèbes, il paraît. Alors ? Des fous partout, de la lave, un petit paradis. Je m'en souviendrai lors de mon prochain voyage. Au moins, j'ai ce qu'il nous fallait pour piéger Héphaïstos. Tant mieux, car mon équipement est prêt. T'as l'air exténué. T'es toujours aussi direct, toi. J'étais en train de revérifier que j'avais bien tout pour la mission qui s'annonce. Ça m'embêterait de tout faire foirer encore. Tout se passera bien, Erend. Tu as déjà parlé à Alva ? Ouais, quand elle n'est pas plongée dans les archives comme un gamin devant sa première bière. Elle s'est vite faite à son nouveau focus, c'est sûr. Je dois avouer que je suis un peu jaloux. Mais je comprends pourquoi ça marche, entre vous. Il faut que je m'en aille. Tu nous dis quand tu veux qu'on parte vers ces creusets. Je te tiendrai au courant. D'après ton expression, je dirais que la mission s'est bien déroulée. J'ai l'autorisation, Omega. Est-ce que tout le monde est prêt à partir pour le creuset Gémeaux ? Dès que tu en donneras l'ordre. Est-ce qu'Alva est bien arrivée ? Notre amie Quen ? Dès qu'elle a posé les yeux sur les archives, elle a sauté dessus comme un hot pot. Ça m'étonne pas d'elle. Une fois que Gaïa sera opérationnelle, j'espère que tout le monde mettra son entraînement à profit. Les graines ont été semées. Elles fleuriront une fois le moment venu. Quoi ? Je trouvais que c'était pas si mal. Zo a aimé. Vous vous êtes bien trouvés, tous les deux. N'oublie pas, c'est ta faute, tout ça. Avec l'autorisation Omega, on va pouvoir récupérer Héphaïstos. Ça va nous donner l'avantage sur les Zéniths. J'ai tellement hâte de voir leur tête quand tous ces gueules d'orage se mettront à recharger. C'est leur tour maintenant, pour une fois. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien sûr. Fais-nous signe en cas de besoin. Aloy, il y a d'autres provisions dans le coffre. Sers-toi. Aloy ! Tu ne chômes pas, dis-moi. Oh, mais... je n'arrive pas à le croire. Enfin, on savait que des êtres artificiels servaient les ancêtres. Mais Gaïa ? Elle est incroyable ! Et toi, la véritable réincarnation d'une ancêtre. Wow ! Du point de vue génétique, bien sûr. Pas comme Feu le PDG. Et puis, il y a d'autres ancêtres quelque part. Qui reviennent des confins des étoiles. Bien sûr, ils essaient de nous tuer, ce qui n'est pas idéal. Et Eric Visser est avec eux, ce qui est plutôt inattendu. Puis, il y a aussi Héphaïstos et... Attends, tu sais quoi ? On va procéder étape par étape. D'accord. Je te dois aussi une explication pour tout ce qui s'est passé à Vivterre. Je vois que tu te sers de ton nouveau focus. Oui, c'est tellement fascinant. C'est beaucoup mieux que la version qu'ont les Quen. Ce pourquoi il m'aurait fallu des années de travail, comme les données que tu m'as aidé à récupérer. Grâce à ça, j'ai pu établir des paramètres de recherche pour accélérer le processus. Ça pourrait révolutionner la façon dont les devins analysent l'héritage. Enfin, les parties que les gouverneurs daigneraient nous laisser étudier. Tu voulais des données, là tu vas être servi. C'est la première fois qu'un devin obtient un accès totalement libre et sans supervision à ce type d'archives. Et, te connaissant, j'imagine qu'elles contiennent bien des savoirs qui auraient été normalement interdits. Mais, on m'a envoyé ici pour t'aider. Je n'aurai pas la négligence d'ignorer les vérités placées sous mes yeux. Elles aideront peut-être les Quen à retrouver le chemin de la vérité.
Tu as mentionné Eric Visser. Comment est-ce que tu le connais? Le Zénith qui a essayé de te tuer? Les Quen le connaissent sous le nom de Protecteur. En parcourant les données de son travail, nous avons fait de grandes avancées en matière d'armes et de tactiques militaires. Nos dirigeants se sont servis de ce savoir pour conquérir, pour devenir l'empire que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'un des ancêtres que nous vénérons le plus. Mais d'après ce qui s'est passé avec lui, il semblerait qu'il soit encore plus redoutable qu'on l'avait imaginé. Oui, c'est encore une interprétation erronée de l'héritage. Je vois. Au moins tu sais la vérité maintenant. Si seulement les gouverneurs de mon pays faisaient de même. Beta m'a parlé d'autres zéniths. Tilda, Verbena, puis Gérard. J'ai bien peur de ne rien savoir à leur sujet. Quel que soit l'héritage qu'ils ont laissé, les devins ne l'ont pas retrouvé. Tu me dois quelques explications pour ce qui s'est passé à Thèbes. Je t'écoute. Bon, je commence par le début, avec le PDG. Il est de la famille impériale. C'est le neveu de l'empereur, en fait. À ce titre, il payait des devins pour rechercher dans l'héritage quelque chose qui pourrait aider la tribu. Et l'aider, lui aussi. Il s'est intéressé de près à tout ce qui concernait Ted Faro, qu'il considérait comme le plus grand des ancêtres connus. Ted Faro, un ancêtre vénéré. Dur à accepter. Je connais la vérité, maintenant. Enfin bref, les devins ont découvert que Faro avait passé un sacré bout de temps à San Francisco. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'ancêtres importants. Alors le neveu de l'empereur a réussi à le convaincre qu'une expédition au-delà de l'océan pourrait résoudre nos problèmes les plus urgents. Si seulement on trouvait les bonnes données dans cette ville légendaire, on pourrait peut-être éliminer les inondations et les tempêtes qui menacent notre peuple. L'empereur a déclaré que toutes les ressources de la tribu seraient affectées à cette tâche. On a construit tellement de bateaux. Des groupes d'éclaireurs ont été envoyés. Et le neveu a été nommé PDG. Il est chargé d'utiliser l'héritage pour le bien de l'Empire. C'est l'incarnation de Ted Faro. Du renouveau. Ça peut paraître étrange maintenant. Mais à l'époque, tous nos espoirs reposaient sur lui. On croyait vraiment qu'il pourrait nous sauver. On ne s'attendait pas à ce que le voyage soit aussi périlleux. Les ancêtres, est-ce que c'est le nom que donne ton peuple aux anciens? Oui et non. Parmi les anciens, les ancêtres sont les plus importants. Ceux dont l'héritage nous a enseigné l'agriculture, la médecine, l'art de la guerre, la politique et le mécénat pour les sciences et l'art. Le PDG appelait Elisabeth Sobeck assistante. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tout ancien qui apportait une contribution mineure ou travaillait d'arrache-pied sous les ordres de l'un des ancêtres était un assistant. C'est ce qu'on pensait d'Elisabeth, avant de te rencontrer. Notre accès limité aux données après la fin des années 2040 a forcément déformé notre vision du passé. Tu as dit que tu étais venu ici pour venir en aide à ta famille, à ta sœur. Elle s'appelle Elika. Nos parents sont des roturiers, des paysans, disons. Quand j'ai réussi les examens de devineresse, ils étaient si fiers. Je faisais honneur à la famille et nous avons eu de meilleures rations. Seule Elika m'a supplié de ne pas partir pour l'académie de recherche. Ah oui? Et pour quelle raison? Elika savait qu'une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir ni voir personne. Pas même notre famille. À moins, bien sûr, d'avoir une autorisation spéciale et d'être escortée par un gouverneur. C'est sévère. Tout comme nos focus, les devins ne sont pas nombreux, et l'Empire est... Eh bien, ils ont peur que des étrangers essaient de voler notre savoir. La dernière fois que j'ai été autorisée à voir ma famille, c'était avant notre départ. Grâce à mon poste, ils ont pu se protéger des inondations dans la capitale. Mais si nos cultures ne se rétablissent pas bientôt, ils mourront de faim comme tous les autres. Je te promets de tout faire pour que ça ne se finisse pas comme ça. Tu as dit que l'expédition au-delà de la mer était plus dangereuse que prévu. Pourquoi ça? On a perdu la plupart de nos bateaux dans des tempêtes, et de nombreux soldats sont morts de faim ou de maladie.
Et tout ça avant même qu'on accoste. Une fois arrivés, des machines ont décimé nos patrouilles. Et on a eu beaucoup de mal à se ravitailler. Enfin, tout n'a pas été noir, bien sûr. On a trouvé Thèbes et la serre. Mais l'humeur du PDG empirait à mesure que ses rêves de sauver la tribu s'éteignaient lentement. Il est devenu de plus en plus obsédé par Thèbes et par ce qui se trouve derrière la porte. Et de plus en plus convaincu que le titre de PDG n'était pas qu'honorifique. Tu l'as vu ? Il débitait des absurdités sur l'essence de Pharo et une transformation. On savait bien qu'il avait perdu la raison, mais il n'hésitait pas à envoyer ceux qui protestaient devant le peloton d'exécution. Un type en or. Les Quen se sont trompés sur bien des points au sujet de l'héritage. Maintenant, je m'en rends compte. Mais ce qu'est devenu le PDG était tout l'inverse de ce que les devins dignes de ce nom défendent. La recherche de la vérité. Je suis désolée que tu aies dû affronter sa folie. Mais c'est enfin terminé. Pour tout le monde. Et donc, Bohai, ton gouverneur, il sera meilleur que le PDG ? Il ne fera tuer personne sur un coup de tête, si c'est ce que tu crains. Mais c'est loin d'être un exemple d'intégrité. Tu n'imagines pas le nombre de fois où il s'est attribué les données de l'héritage que j'avais découvertes. Tout ce que je peux dire pour sa défense, c'est qu'on peut lui faire confiance. Enfin, pour faire ce qui est le mieux pour lui. Ouais, ça me surprend pas. Quand on était à la serre, tu as parlé de savoir interdit à ton peuple. Les devins sont censés rechercher la vérité dans l'héritage. Et de nombreux impérialistes les payent dans l'espoir qu'ils trouvent quelque chose qui pourrait servir l'Empire et leur valoir les faveurs de l'Empereur. Mais le Conseil des gouverneurs prétend que certaines vérités menaceraient la stabilité globale de l'Empire. Comme la façon dont l'un de nos ancêtres vénérés a détruit le monde. C'est pour cette raison que les devins n'ont accès qu'à certaines parties de l'héritage. Seuls les gouverneurs peuvent tout voir. Ça leur permet d'extraire les données hérétiques avant qu'elles ne se répandent et puissent poser problème. Qu'est-ce qui arrive aux devins qui enfreignent les règles ? Je n'ai jamais eu le courage de demander. J'imagine que tu ne les connais pas encore assez bien pour t'en rendre compte, mais... c'est un bon groupe. C'est drôle parce que l'une de tes amies est... une autre toi. Je ne dis pas que tu es la même personne, bien sûr. Je veux dire, génétiquement, vous êtes toutes les deux Elisabeth Sobek. Mais tu es différente, malgré tout. Ça oui, c'est vrai. J'espère que tout le monde te traite correctement. Oh, oui, bien sûr. Ils ont tous vraiment été très accueillants. Et ils échangent librement entre eux le savoir enregistré sur leur focus. C'est stimulant. Chez moi, les devins ne peuvent partager des données qu'avec l'accord des gouverneurs. Ça m'a l'air très contraignant. Et très pesant. Oui, tu n'as pas tort. Je vais devoir y aller. Mais s'il te faut quoi que ce soit... Tout ce dont j'ai besoin, c'est de t'aider à remplir ta mission. Le plan dont m'a parlé Gaïa pour capturer Héphaïstos, est-ce que ça va tout arranger ? Je l'espère. Alors je ferai tout mon possible. Je te le promets.
Aloy, bonjour. On nous a parlé de la mission, et on sera prêt dès que tu voudras aller au Creuset Gémeaux. Il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. C'est... personnel. Si tu as du temps devant toi. T'as trouvé quelque chose pendant ton entraînement ? Gaïa m'a dit où trouver des données sur la façon de faire la guerre dans l'Ancien Monde. Je savais que Ledis avait affronté des machines comme nous aujourd'hui. Mais je crois qu'ils faisaient partie des derniers de leur peuple. Ensuite, les machines ont combattu d'autres machines pour des hommes cupides, en quête de toujours plus de richesses et de territoires. Au moins, les Ténacs ont le courage d'oser mettre leur vie en jeu quand un conflit éclate. En effet, c'est tout à votre honneur. Mais ce serait peut-être mieux qu'il y ait moins de conflits, à la base. Oui, bien sûr. Et Caro est du même avis que toi. Que font les Ténacs quand ils veulent se détendre ? Je veux dire, quand ils se reposent après l'entraînement. On joue à attaque. Ton ami Oseram est Rend. En fait, il se débrouille plutôt bien, même s'il ne m'a pas encore battu. Ça aide à penser de façon stratégique, et travailler l'esprit tactique. Ça ressemble quand même à de l'entraînement. Ça va, ta formation ? Je voulais en savoir plus sur le monde des anciens. Et ? J'ai lu sur ce pharaon que Gaïa a dit que tu cherchais, et j'ai découvert le fléau de machines qu'il a libéré. Quand je pense que l'Ancien Monde a été détruit... par une erreur. Une simple erreur de calcul. Ce destin n'a rien de glorieux ni d'honorable. Ce n'est que de l'orgueil. Et une mort inutile. Ouais, c'est tout à fait ça. T'as déjà parlé avec Alva ? Les Quen sont spéciaux. À mille lieues des Ténacs. Elle est vive d'esprit, ça ne fait aucun doute. Mais je l'imagine mal survivre dans les terres sauvages. Crois-moi, elle est plus coriace qu'elle n'en a l'air. Je vais te croire sur parole. Je dois me mettre en route. Bien, je ne veux pas trop tarder. Il y a des affaires Quen ici. Sûrement celle d'Alva. Et à quoi tu sers, toi, aujourd'hui ? Ravi de te revoir. Aloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais... maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet, mais la conséquence est que l'absorption des Phaistos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien ? Même avec l'autorisation de grade Oméga, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénithes. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Sobek, qui disposerait du grade Oméga ? Ça prendrait quoi ? Deux fois moins ? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiences synergétiques. Je calcule.
Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Var, je crois qu'on va avoir besoin de Beta à Gémeaux. Tu crois que tu peux la convaincre? Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche? Nos générateurs d'impulsion? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant qu'Eren arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. À l'œil, tu devrais descendre ici. Beta est dans un sale état. D'accord. Aloy. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Beta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante, on a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et s'ils me reprennent? À nouveau, ils m'enfermeront. Et je les servirai pour toujours. Varl et moi, on sera aussi à Gémeaux. Je te protégerai. Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici. Les Zéniths ne nous trouveront pas. Allez, t'as rien à craindre. Non! Tu ne peux pas me protéger. Rien ne peut me protéger contre eux. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Beta. Laisse-moi tranquille! Tu ne comprends pas? T'as raison. Je comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait, comme le ferait Elisabeth? Tu crois que j'y ai jamais réfléchi? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée et isolée, tout comme moi. Alors où est la différence? C'est quoi mon problème? Beta, tu n'as aucun problème. Beta, regarde, ce n'est pas une partie d'Elisabeth. La différence, c'est lui. Rost. Il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimé à sa façon. Ça suffisait. C'était comment ? C'était comme... comme une force qui a toujours été en moi. Et qui l'est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus.
Lutte comme si tu pouvais gagner. Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. Tu as dit que tu voulais me protéger. Je te crois. Mais tu dois me promettre une chose. Oui, bien sûr. Si ça tourne mal, si les Zéniths nous trouvent, je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends ? D'accord. Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible. Je serai prête quand nécessaire. Promis. Aloy, quand tu seras prête, viens me parler. Et je demanderai aux autres de faire les préparatifs finaux pour la mission. Non, rien. La bonne mine. Eren, je voulais voir comment tu allais avant de partir pour les Gémeaux. Tu préfères pas plutôt qu'on parle un peu de toi ? Ce qui s'est passé entre toi et Beta avait l'air intense. Mais bon, je te juge pas. La Forge sait que mes disputes avec Ersa étaient pas toujours roses. Ça va aller beaucoup mieux, désormais. Ravi de l'entendre. Quand on aura récupéré Héphaïstos, on ira affronter les Zéniths. Alors, plus besoin de lire. C'était pas si mal, au final. Et puis, en parcourant toutes ces données, je crois que j'ai compris un truc. Les soldats, là, ceux qui ont affronté les machines Pharo pour pouvoir bâtir Gaïa, ils menaient une guerre qu'ils pouvaient pas gagner. Peu importe les armes qu'ils avaient. Je pense que la plupart d'entre eux le savaient, qu'ils en aient parlé ou pas. Mais ils ont rien lâché. Ils ont gagné du temps pour que les têtes d'œuf puissent sauver le futur. Notre futur. Si je peux faire la même chose pour toi, alors ma vie n'aura pas été vaine. Merci, Eren. C'est très rassurant. Allez, ça va. Tu vas me faire pleurer. Quelqu'un a déjà goûté la bière que tu as apportée ? Zo ne supporte pas l'odeur. Pour Alva, je pense pas qu'elle sache vraiment ce que faire une pause veut dire. Et je vais pas tenter Varl en lui proposant, après ce qui s'est passé pendant la fête à Méridian. Mais Kotalo, alors ? Ah, ça, c'est un homme qui sait comment boire. On a vidé la moitié d'un fût, et on a bien causé. Enfin, je crois. Je m'en vais. Pareil. J'ai un rancard avec un creuset à préparer. Aloy, est-ce que tout va bien entre toi et Beta ? On dirait que vous avez eu... une discussion agitée. On avait pas mal de choses à se dire. Ça veut dire qu'elle vient avec nous aux Gémeaux ? Tout à fait. J'espère que tu es fin prêt à apprivoiser l'IA la plus têtue du monde. C'est pour ça qu'on fait tout ça, il me semble. Héphaïstos ne va pas se laisser faire. Héphaïstos n'est qu'un programme qui a perdu la tête. C'est pour notre survie que nous nous battons. Je peux toujours invoquer la déesse si t'as peur. Très drôle. Est-ce que tu as d'autres choses à me raconter avant de partir ? Pas vraiment, mais j'ai pris une décision. Ah ? Quand on aura rassemblé Gaïa, je veux retourner chez les Nora, pour tout leur dire. Et tu crois qu'ils vont t'écouter ? Je l'espère, avec le temps. Si quelqu'un peut les raisonner, c'est bien toi. Vous ferez quoi, Zo et toi, si tu retournes dans l'étreinte ? J'espère qu'elle me suivra.
au moins pour un temps. Et puis j'irai avec elle à Mélopée. Elle voudra sans doute parler de tout ça à son peuple. On trouvera un moyen. J'en suis sûre. Comment tu crois qu'ils se sentent, les autres ? Anxieux, mais bien prêts. J'ai entendu Cotalo demander l'aide d'Alva pour les générateurs. Et je sais qu'il lui apprend quelques techniques de combat, juste au cas où. J'espère que c'est superflu. Comme je l'ai dit, c'est au cas où. J'espère qu'activer ces générateurs d'impulsion suffira à distraire les zéniths. Ça marchera. Il le faut. Toujours aussi optimiste. Non, juste têtu. C'est une qualité qu'il vaut mieux avoir quand on te fréquente. Ouais, c'est ça. Tu avais raison, tu sais. Au sujet de Rost et de mes souvenirs. Je croyais que parce qu'il essayait de faire de moi une aura, il m'empêchait d'être moi-même. Mais en fait, il m'a tout donné. Je ne m'en rendais pas compte. C'était un homme bon. Il t'a bien élevé. Je suis heureuse que tu m'accompagnes. T'es sûre de ne pas devoir encore fuir quelque part toute seule ? Plus maintenant. Te revoilà, Aloy. Bonjour, Aloy. Alors, tu sais, pour Beta et moi, tu as sûrement tout. Oui. Je ne cesse d'être impressionnée par la complexité des relations humaines. Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute, je suis ravie de constater que vous avez pu trouver un terrain d'entente. Eh bien, deux têtes valent toujours mieux qu'une. Oui, je le crois. Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux ? Nous pouvons continuer notre conversation si tu veux. Tu sais, à propos de Beta, je n'avais jamais compris ce qui nous différenciait jusqu'ici. Elle a traversé tant de choses, totalement seule. Vous avez toutes les deux beaucoup souffert. Vous êtes différentes sur bien des points, mais tout aussi remarquables. Je vous considère toutes les deux comme deux miracles, nées d'Elisabeth Sobek. Nous trois, alors. Il ne faut pas t'oublier, Gaïa. Toutes ces données que j'ai réussi à récupérer dans ces bunkers et ces ruines, je n'aurais jamais cru que d'autres personnes pourraient en profiter. D'après mes observations, tes compagnons accèdent très régulièrement à ces informations. Erend m'a posé beaucoup de questions au sujet des fêtes d'anniversaire. Il semble déconcerté par la tradition consistant à servir un plat sucré, car elle ne correspond pas à la tradition Oseram de servir de la bière brune pétillante. Il a aussi suggéré que nous organisions une fête pour toi. Une fête surprise. Non, sûrement pas. C'est bien ce que je pensais. Est-ce que Cotalo s'entend bien avec tout le monde ? Oui, mais il préfère passer le plus clair de son temps seul. Je crois qu'il rassemble des données sur la progression des machines de guerre et les principales batailles pendant le fléau Pharo. Avec l'objectif de créer une carte de l'opération Victoire Pérenne. J'ai l'impression qu'il veut étudier les tactiques militaires de l'Ancien Monde. Je serais curieuse de voir ça. Ça a l'air d'être son passe-temps favori. Il a décliné à plusieurs reprises mes propositions d'aide pour ses recherches.
Comment se débrouille Alva? Dès qu'elle est arrivée, Alva était impatiente d'étudier les données dans les archives. Un fichier en particulier a attiré son attention. La description d'un assistant robotique dont la fonction est d'entretenir les espaces de vie. Je l'ai informé que dès que je serai en mesure d'avoir les capacités d'Héphaïstos, je devrais pouvoir concevoir ce type de machine. Elle va être ravie. Quand je me suis lancée pour tenter de te ramener, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait être là, comme ça. Entre amis. Ils ont tous fait de rapides progrès avec leur éducation improvisée. Varl a suggéré que nous pourrions à terme étendre ce modèle à d'autres individus, une fois que la biosphère aura été stabilisée. Oui, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Tant que c'est toi qui t'occupes de faire les leçons. Maintenant que tu as Éther, Déméter et Poséidon, comment se porte la biosphère? Au niveau local, les conditions se sont améliorées. Les tempêtes extrêmes se sont calmées. Beaucoup de sources d'eau ont été purifiées, et la plupart des problèmes de sol ont été réglés. Ces améliorations retarderont l'effondrement environnemental pour quelques mois supplémentaires. Bientôt, si tout va bien, tu auras Héphaïstos. Et tu pourras réparer la biosphère pour de bon, pas vrai? Exact. Je pourrais concevoir et produire de nouveaux agents robotiques pour annuler définitivement les dégâts environnementaux qui se sont accumulés. Il y a une chose que je comprends pas. Comment Ted Faro a-t-il pu créer une autorisation supérieure à Alpha? Elisabeth s'était assurée qu'il n'allait pas interférer. Il est probable qu'il ait demandé à ses propres ingénieurs de créer un accès secret au système Hope-Zero, sans qu'Elisabeth ne le sache. Ma prédécesseur elle-même ignorait son existence, jusqu'au moment où Faro l'a activé pour purger la base de données Apollon. Il se trouve dans une sorte d'angle mort. C'est ça qui nous permettra de soumettre Héphaïstos. Bon, notre plan pour capturer Héphaïstos. Récapitulons tout. Comme tu veux. Grâce au test de Bêta, nous savons désormais qu'Héphaïstos ne répondra pas à ton autorisation Alpha. C'est pour ça que j'ai l'autorisation Oméga de Ted Faro. Exact. Pendant ton absence, Bêta a construit le matériel de transport et les générateurs d'impulsion. Lorsque nous arriverons à Gémeaux, il faudra que je sois installé sur l'un des noyaux du site. Le deuxième noyau est pour Héphaïstos. Tu pourras le piéger grâce à l'autorisation Oméga. Comme ça, tu seras en mesure de l'absorber. Pas tout à fait. Tu vas devoir retirer manuellement le code malveillant d'Héphaïstos avant la fusion. Combien de temps ça prendra? Comme le travail sera réparti entre toi et Bêta, ça prendra approximativement 4,5 heures. Et pendant ce temps, les autres feront diversion en utilisant les générateurs d'impulsion. Exact. Ils prendront chacun place près d'une porte du creuset et activeront leur appareil. La surcharge énergétique devrait masquer nos activités jusqu'à la fin de la fusion. Et nous aurons tout ce qu'il faut pour vaincre les Zéniths. C'est un bon plan. Donc l'endroit dans lequel j'ai retrouvé Déméter n'était autre qu'un complexe de recherche agricole Faro. Le système de conversion de la biomasse est né là. Couronne adamantine également. Elisabeth savait qu'il travaillait dessus? Elle a probablement été informée d'autres efforts pour combattre l'essaim de machines. Bien qu'elle était entièrement consacrée à Hope-Zero. C'est logique. Mais ils ont fini par faire fonctionner les couronnes. S'ils avaient pu déployer ça contre le fléau Faro à temps... Grâce aux données que tu as récupérées sur le projet, j'ai lancé plusieurs simulations. Et j'en ai conclu que ça n'aurait pas pu fonctionner. Dans tous les scénarios, les machines de guerre Faro auraient fini par pirater et désactiver les couronnes avant qu'elles ne puissent contenir les seins. Hope-Zero était donc la seule vraie solution.
Et qu'est-ce qui va arriver à cet endroit, quand on sera aux Gémeaux ? Tous les systèmes présents dans ce bâtiment vont continuer à fonctionner. Comme Minerve ne pourra plus masquer son emplacement, le site va en conséquence devenir détectable. Même si, sans ma présence, il est peu probable qu'il attire l'attention. Espérons. J'ai retrouvé de nombreuses données sur l'agriculture dans la serre. Tu penses que ça pourrait aider les Quen avec leurs terres ? Je vais lancer une requête. Terminé. Les données contiennent des informations au sujet de méthodes de culture innovantes qui pourraient à long terme bénéficier à la tribu. C'est dommage, mais ça ne sauvera pas le monde. Donc c'est à nous de jouer. C'est vrai. Bon, voilà. J'ai trouvé Teb. Qu'est-ce que tu penses que Ted aurait fait s'il avait réussi à prolonger sa vie ? Il semble qu'il se soit convaincu qu'il était de son devoir de guider les futurs humains. Étant donné la nature tribale des nouveaux humains et que son autorisation Oméga marchait sur le système de terraformation, je suppose qu'il aurait pu convaincre une ou plusieurs tribus de le vénérer en tant que divinité patriarcale. Super ! Bon, eh ben on a évité le pire. Il n'y avait pas que le complexe Gaïa et Teb. Il y avait une autre structure souterraine scellée avant que le fléau Pharaoh ne l'atteigne. L'Élysée. Le lieu où le personnel d'Obzero et leurs familles se sont installés pour vivre. Tu sais ce qu'il est devenu ? L'Élysée était conçue pour fournir des systèmes de survie pendant une centaine d'années. Mes données indiquent que le bâtiment s'est désactivé bien avant cela. Le fléau Pharaoh les a trouvés ? Je ne sais pas. Ma connexion au bâtiment a été brusquement coupée. Gaïa ? Comment était Elisabeth ? Sa présence est intimement liée à mes souvenirs. Lorsque je me suis activée, elle était là. Nous nous sommes présentés, puis nous nous sommes mis au travail. C'était la première de nombreuses conversations. J'aimais passer du temps avec elle, à écouter ses histoires. Elle était ma créatrice, ma guide. Ton amie ? Oui. Lorsque j'ai vu les données sur ton focus, j'ai été triste en découvrant son destin. Même si je suis heureuse qu'elle ait pu rentrer, j'aurais vraiment préféré qu'elle ne reste pas seule. Ça ne la dérangeait pas. Elle s'est sacrifiée. Elle avait tout donné. Merci, Gaïa. Il n'y avait pas que le complexe Gaïa et Teb. Il y avait une autre structure souterraine scellée avant que le... L'Élysée. Tu sais ce qu'il est devenu ? L'Élysée était conçue pour fournir des systèmes de survie, mais données... Le fléau Pharaoh les... Je ne sais pas. Les Gémeaux ont deux noyaux de données. J'ai jamais vu de creuset semblable. Mais je crois que tu as parlé d'activité sismique. Quand ma prédécesseur a tenté de créer le creuset, la construction a été interrompue par une série de séismes. Le noyau de données avait déjà été créé, mais le reste du site avait été endommagé. Alors, elle a recommencé. Un second noyau a été bâti. Cependant, quand il y a eu d'autres séismes, elle a abandonné le site. Tant mieux pour nous. Il y a encore des séismes ? Non. Mais ils ont malheureusement créé des instabilités dans d'autres sites de la région. Ok, tout le monde. Il va falloir y aller. Je vais rassembler tout le monde.
connexion établie. Je démarre. Beta, Aloy. Je suis complètement installée dans ce noyau et prête à me connecter au réseau de Creuset. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Eren, tout le monde, lancez vos impulsions et appelez. Je suis au Creuset. Mon générateur d'impulsions clignote. J'ai fait ce qu'il fallait ? En position à mon Creuset. Mon générateur d'impulsions clignote également. Ça veut dire qu'il marche. Je suis en position et le mien fait pareil. Et le mien. Allez, silence radio jusqu'à mon signal. Terminé. Gaïa, attrapons la bête. Je lance ma connexion au réseau des Creusets. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Omega. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Omega. Autorisation confirmée. Lancement de la séquence de confinement. Menace critique détectée. Impératif échappé au confinement. Application des contrôles. Enferme-le. Interruption des connexions externes. Ça marche. Il n'y a plus aucune issue. Capture imminente. Initialisation de l'éventualité 13F. Qu'est-ce que c'est ? Logiciel malveillant. Tentative de compensation. Confinement inacceptable. Il est pendu. Regarde. Dispositif activé. Enclenchement. Et défense autonome. Directive neutralisée. Ça veut dire que des machines vont arriver. Voilà. On est repérés. Respire encore. Aloy, Héphaïstos ne peut pas s'échapper, mais il a dû reculer. Plus loin, dans le bâtiment. Je vais tenter de le ramener ici. Je vais réparer le noyau et brécher pendant ce temps. Veille sur elle, Varl.
Désolé, je devais vérifier un truc. Tu disais quelque chose avant mon départ ? Compte sur moi. À chaque fois qu'il tente de se cacher. Il doit absolument se replier sur le noyau. Activation de connexion 18-3. Je suis connectée à ton focus. Je préfère te dire qu'il y a une énorme consommation d'énergie venant de la salle suivante. Merci de m'avoir prévenue. J'y serai bientôt. C'est une sorte de salle de production. Héphaïstos prépare bien quelque chose, pas de doute. Quel genre de machine est-ce qu'il espère créer ? Je sais pas, mais je vais l'en empêcher. Je parie que ces transporteurs de métal me mèneront là où il se fournit en matériaux. Je parie que c'est aussi là que se cache Héphaïstos. Thank you.
mettre fin à l'emprise des Phaistos dessus. Tu devrais pouvoir le pirater maintenant. Parfait. Merci. On dirait qu'il a fui dans une autre salle. Il ferait bien de pas trop y prendre ses aises. Génial, Phaistos a recouvert le sol d'électricité. Je dois trouver un moyen de passer. Lloyd, notre machine arrive. Je t'en prie, dis-moi que tu es presque. J'y travaille. J'ai eu pas mal de machines de mon côté, moi aussi. Je crois qu'Eren a disparu. Aloy, je commence à contourner les défenses. Mais il me faut quelque chose pour que le moteur de cyclage tienne le coup. Peut-être un ligament de l'une des carcasses de machine? Oui. Ou un pressage lumineux. On pourrait le renforcer avec un cylindre de conversion. Pour une meilleure connectivité? Je pense qu'on peut y arriver, Aloy. Je devrais pouvoir grimper sur ces transporteurs de métal. Thank you.
ce champ de force. Avec mon focus.
Bien joué. Ah, t'as fait plus dur. Très bien. Phaistos va manquer d'endroit où se cacher. Aloy, je viens de détecter un énorme afflux d'énergie dans la chambre de production. Quelque chose d'énorme est en train de se passer. Ici aussi. On se met à briller. La machine que Phaistos construisait. Il doit l'avoir terminée. Elle est puissante, dans tous les cas. J'ai presque fini de réparer le noyau. Tu veux qu'on te rejoigne? Je peux peut-être distraire la machine. Non, Beta. Reste où tu es, d'accord? D'accord. Sois prudente. Thank you.
reste plus qu'un nœud à pirater. Bien. Fais attention. Je te renvoie, Héphaïstos. Montre-toi, Héphaïstos. C'est bon. Héphaïstos est dans le noyau. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Et on pourra lancer la fusion. C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venue. Et à toi, Varl. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je te retourne le compliment. Est prêt. Le noyau est stable. Héphaïstos est confiné à 100%. Alors on ferait bien de lancer la fusion. Tout est en place. Gaïa, établis-nous la liaison. C'est fait. La fusion, il faut extraire le code malveillant d'Héphaïstos. Eh bien, bonjour, bonjour, copie redondante. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Eric, reprends Beta. Et écrase donc cet insecte dont tu es. Cache-toi derrière moi. Allez, arrête de faire l'idiot. On s'amuse bien, hein? Tilda, prépare Gaïa et Héphaïstos pour leur transport. Tilda! J'ai échoué. Chut. Tout n'est pas perdu. Tilda!
Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Arrête-la! Je ne la vois même pas! Beta! Tu as réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres Zénith. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant, elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête, viens me rejoindre. Prends par les escaliers. D'ici là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Petit déjeuner? D'accord. Tilda m'a-t-elle amené ici? Qu'est-ce que c'est? Quelques pièces de ma collection que j'ai récupérées et stockées ici avant de quitter la Terre. Tu peux regarder si tu veux. Je suis curieuse d'entendre tes impressions. Mon ami est mort. Beta et Gaïa ont disparu et tu veux que je regarde de vieux tableaux? Ne sous-estime pas le réconfort que l'art peut apporter. Les réponses qu'il peut offrir. La Ronde de Nuit, de Rembrandt, est le tableau le plus célèbre créé dans mon pays, et de loin. Il a été commandé pour rendre hommage à une milice composée de citoyens influents. Je suppose que toi aussi, tu étais une citoyenne influente. À l'époque, oui. Mais pas autant que tu l'es, dans ce nouveau monde. Un portrait du fils de Rembrandt, Titus. Représenté habillé en moine. Je comprends pas. Pourquoi quelqu'un comme toi, avec des ressources infinies, s'intéresse à cette peinture d'un gosse à capuche? L'important n'est pas l'image, mais les sentiments qu'elle suscite. Le visage est clair et détaillé, mais ses yeux sont baissés, lourds de malheur. Et l'arrière-plan semble absorber toute la lumière. Cette peinture dégage une impression de perte, de vide. Je crois que je comprends ce que ressent le peintre. Séléné et Endymion. Elle est la déesse de la lune, et lui, un simple berger. À côté d'elle se trouve le dieu de l'amour, Cupidon. Alors, elle... Elle vient quand il dort? Disons qu'elle va le voir en secret. La torche que tient ce Cupidon représente l'amour infini de Séléné pour lui. Bien que le couple ne puisse être réuni, son amour brûlera éternellement. Mon duo préféré. Sur la gauche, la femme en bleu, lisant une lettre de Vermeer. Un grand maître. Sur la droite, une contrefaçon. Femme lisant de la musique, qui a trompé des experts, l'ayant pris pour un original inestimable.
Au début de ma carrière, je me suis passionnée pour ce genre de contrefaçon. J'ai fini par développer un logiciel de scanographie capable de détecter des faux avec une précision inégalée. C'est comme ça que t'as gagné de quoi acheter ta place à bord de l'Odyssée ? Oh non. J'ai réellement fait fortune plus tard. Pourquoi garder la contrefaçon ? J'ai toujours aimé étudier les deux en parallèle. Les deux peintres ont su capter la lumière, la couleur et la perspective. Qu'est-ce qui fait de l'un un chef-d'œuvre et de l'autre une imitation ? La contrefaçon a l'air plus nette. Tu as l'œil. Les détails sont précis, les contrastes nets. Le message est plus clair, mais moins émouvant. La Rafale de Willem van de Velde, le plus célèbre de ses nombreux tableaux maritimes. Un bateau qui navigue dans l'inconnu ? Ça doit te rappeler quelque chose ? En effet. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette œuvre. Bien que les vagues et le vent menacent de détruire le vaisseau, il persévère. Il s'accroche à la lumière alors que les ténèbres se rapprochent. Fascinant, non ? Les peintures étaient loin d'être les seules œuvres d'art de l'âge d'or de mon peuple. C'est les guerres de Van Vianen, moulées à partir d'une unique feuille d'argent. À quoi ça servait ? Tu penses comme Elisabeth. Tu pars déjà ? J'ai des problèmes plus importants à gérer. Moi aussi. Nous avons bien des choses à tenter de sauver. Ce qui se trouve dans ce coffre en fait partie. Il n'y a rien de mal à profiter encore un peu de ces trésors. Ah, te voilà. Alors, tu te sens mieux ? Comment vous nous avez trouvés, au Creuset ? Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse ? Oh, tu penses qu'au travail ? Eh bien, disons pour faire simple qu'on surveillait de très près Héphaïstos, en sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien, c'était une surcharge d'essence, accompagnée d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés, grâce à leur bouclier. Mais toi, tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais. Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien. C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta, dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation ? Par ici, je t'en prie. Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble ? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé et encore moins maintenant. Tu es parti avec eux dans l'espace. Tu as vécu avec eux pendant 1000 ans avant de revenir. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement ? Tout simplement, pour ça. Mon ancien focus, tu l'as réparé ? Mais alors tu as vu ? Des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une 20aine d'années... Moi, après avoir vécu 1 millénaire, j'en suis encore loin. Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir, son intégrité.
J'ai eu tellement honte en voyant tout ça, honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant, nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Gérard compte utiliser Gaïa afin de réinitialiser la biosphère de la Terre. Et ainsi, recréer le monde selon ses instructions, ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Nous l'arrêterons. Nous. Et une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres, nous tâcherons de réaliser le rêve d'Elisabeth. Beta a dû te dire que notre vaisseau héberge un exemplaire de la base de données Apollon. C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. Avec ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Regala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Lui et les autres. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Tu vois, pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement. Caro et les Ténac. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée, il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi d'Aube Zéro. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait aux Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Thank you.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends? Tu en vis? Il me surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment? Sans Regala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça... ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh! Et quoi, au juste? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques, cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Regala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand? Eren, tu es là? Aloy! Aloy, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres? Waouh! On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici, alors. C'est bon d'entendre ta voix, Aloy. Il y a du problème.
pour te dire. J'ai été intégrée dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres Zéniths ne peuvent pas nous entendre? Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus, si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. C'est d'accord.